Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment récupérer la Penumbra FF quasiment gratuitement et bien sûr GTA Online. Pour cela, il vous faut un prérequis. Il vous faut l'entreprise La Casse qui coûte 1 620 000 sur le site de Masbank Foreclosure. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer ce vol, ce fameux braquage de la Penumbra FF, voiture qui vaut quand même plus de 1 380 000 sur le site de Souterrain de Sandra Superauto. Sachez également qu'il y a une petite surprise à la fin dans cette vidéo. Je ne le dis pas tout de suite pour le moment. Bon, vous lancez ce fameux vol. Ça vous coûtera 20 000 dollars. 20 000 dollars, c'est pas grand-chose. Vous préparez le fameux vol de véhicule. Donc, 2 missions de préparation, 3 missions annexes obligatoires, ce qui vous fait 5 missions. Et une mission optionnelle, vous n'êtes pas obligé. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est parti pour ce fameux vol, ce fameux braquage de la Penumbra FF. C'est parti pour le découvrir. Donc, cette Penumbra FF se trouve au milieu, voilà, vous avez un petit logo de garage. Vous la choisissez, vous payez 20 000 dollars et vous préparez le fameux vol braquage de cette Penumbra FF. Donc 2 missions de préparation, une qui est optionnelle, c'est pas obligatoire, et 3 missions un petit peu secondaires, vous savez, des sacs verts sur la map. Ça, c'est obligatoire par contre. Et donc là, on peut faire ce fameux vol et on va le voir ensemble justement. Alors, à quoi sert cette mission ? Élimine Née un pilote et détruisez sa flotte de Maverick afin de réduire le nombre d'hélicoptères disponibles pour assurer la sécurité donc du Laboot Princess. Ok, donc en gros, il y aurait moins d'ennemis, mais c'est pas obligatoire. Bon, on va essayer sans, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ben, c'est parti. Wow, oh le bug. Ça commence bien. Wow, ça glisse. Hein. Alors, me demandez pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle voiture à récupérer gratuitement avec La Casse. Enfin, quasiment gratuitement, ce qu'on paye pas cher. Je n'en sais absolument rien. Je vous l'avais dit, hein, que ça arriverait pas chaque semaine. Moi, je misais chaque mois et plus. Eh bien, c'est bel et bien le cas, hein, clairement. Donc, ça sera de temps en temps, simplement. Je vous tiendrai bien évidemment au courant à chaque fois quand il y aura une voiture à récupérer gratuitement. Donc, quand même, hein, vous avez le véhicule du Diamond Casino gratuit. Vous avez le véhicule du salon auto de LS gratuit. Maintenant, vous avez le véhicule de La Casse qui est quasiment gratuit. Vous payez 20 000 le braco. Et après, on va payer quoi, 10 000 pour récupérer la voiture. Attention, j'ai su que moi, je payais 10-15 000 parce que j'ai l'entreprise faux papier. Voilà. Donc, c'est pour ça que je paye moins cher comparé aux autres qui n'ont pas cette entreprise. Faux papier qui est une entreprise qui est avec les motards, les bikers. Voilà. Avec le QG motard, tout ça, tout ça. Bon. Enfin, bref, plan infaillible, ouais, MDR. Ça fait longtemps, puisque j'ai pas fait un vol de La Casse, bah, la dernière fois c'était en vidéo aussi. Donc comme ça, au moins, on se replonge un petit peu dans le bain. J'en fais pas souvent, parce qu'il n'y a que 3 vols par semaine. Moi, j'ai assez d'argent, donc... pas besoin, pas besoin. Bon, autant sauter, hein, ça va plus vite. Et là, on est parti pour le fameux gros bateau, normalement. Voilà. Le fameux cargo. A few moments later. Il va falloir éviter les bateaux. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Hop. Ils sont neuneux. Voilà. Flèche de droite. Ok, impeccable. J'aime bien cette petite cinématique, c'est sympa. Allez, 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 on monte, on monte, on monte.
Ouais, cache-toi. On va essayer de faire ça en furtif, hein. Gilet et en quoi serait bien. J'ai même pas pris. C'est pas bien, j'ai pas été en prendre. Bon, le mieux. J'ai pas envie d'alerter, donc je vais y aller tranquillou. Voilà. Attention. Parce que je vois un point, voilà. Ouh. On va pas le tuer, lui, hein. Voilà, lui, il y a moyen. Voilà, super, on peut pas monter. Ah, zut, je suis tombé. On peut pas grimper directement, pas drôle. Petit fail de la vidéo, ça commence bien. Tac, 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 que je regarde. Là, on peut monter, ouais. On va pas le tuer, lui. Et en dessous. Il y en a un qui fait sa ronde, là. Ouais, juste là. Donc, hop. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Non, je voulais pas monter. Bon, bah tant pis. Voilà. Voilà. Normalement, il y a un garde des fois qui vient ici. Parce que j'ai un point là. C'est buggé, guette bien. Pas besoin de le tuer. Hey, toc toc. Qui est là? Voilà. Là, c'est normal par contre. Normalement, on n'a pas un truc à pirater ici. Ouais, c'est à toi du terminal, ouais. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Wow, 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 il est chaud, lui. Comme par hasard, hein, il a bien visé, hein. Non, vise pas là, je veux péter. Non, je suis mort. Ça commence bien. Mais on peut mourir autant de fois qu'on veut. Mais c'est parce que je veux pas viser les PNJ, je veux viser. Voilà. En fait, il me vise les PNJ d'office. Et il vise pas ce que je veux en plus. Bon, au moins d'un côté, je suis sorti. Là, on remonte là. Faut chercher la voiture en fait. Wow. Non, tombe pas. Mais bon, ça, on peut remonter. Oh!
du premier coup. J'espère que j'ai filmé comme il faut parce que... Bah pour la photo quoi. C'est pas grave, on la reverra ailleurs. J'ai voulu faire Spider-Man. De la vie. Bah ouais, mais faut que je le prends. 2 minutes. 2 minutes. Il est déjà parti, mais non. Hey, il est déjà barré. Hein. Attends-moi, frère. Pungi se barre comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en avait au début. Il y en avait deux en fait. C'est pas grave. Oh mais vas-y, oh, j'allais dire, au bout d'un moment, faut que tu t'en prends, hein. Voilà. Allez. Ramène ma voiture, toi. Allez, allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez, allez. Plus vite, plus vite. Oh, ouais, d'accord. Il va bientôt la livrer. A chaque fois, il la livre pas loin de Simeone. À moins qu'il va la livrer ailleurs. Hein. On n'est pas très loin. Hein. Ah, je m'en doutais. Comment ils ont spawn? Il va me la livrer bientôt. Ouais, sur le parking. Non, mais c'est juste à côté de Simeone en fait. Allez, 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 livre-moi ma voiture. Merci beaucoup. Je me demande s'il y a une plaque rare dessus. Intéressant. On va voir ça. Il va me la jeter comme ça. Ah, ça va, il descend. Il est sympa quand même. Ma voiture! On va essayer de refilmer pour voir. Ah, ça marche! J'ai cru que ça marcherait pas. Wow! Eh, hey, Japon, Japon! Ah, est-ce qu'il y a une plaque rare? Est-ce qu'il y a une plaque rare? Il y a une plaque rare. La plaque, elle est escarmite. Donc, c'est une plaque rare, les copains. Voilà, comme ça, vous savez. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà. Donc, une plaque rare. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on aura un véhicule à récupérer avec la casse, il y aura une plaque rare. Et donc là, c'est la plaque Elle Escarmite.
Voilà, donc on a eu la comète S2 Cabrio avec la plaque Las Venturas, et là on a la Penumbra FF avec la plaque LS Carmite. Ah, la sauvegarde elle prend du temps parce que je roule. Faut que je ralentisse un peu, voilà c'est bon. Ça fait plaisir, ah bah ouais. Et voilà, on a eu 10 000. Ah ok, parce que sans s'y repérer, d'accord. Il y avait d'autres trucs, hein, mais bon, ça c'est vrai que je suis jamais attention. Alors. On va refilmer au cas où pour faire une petite photo. Voilà, on va attendre un petit peu. Surtout que lui, c'est marrant. Voilà. Bon, alors, flèche de droite, vendre plusieurs, démanteler ou récupérer. Voilà, pour 10 000 dollars. Tchouk, et on va mettre dans un garage. Normalement, celui-là, il y a de la place. Voilà. Je viens de demander ma Penumbra FF. Eh bien, sachez que j'ai bel et bien la plaque LS Carmite. Et oui, la plaque rare. Et je vais pouvoir maintenant eh bien, un petit peu la customiser et écrire eh bien, Topher YouTuber dessus. Par contre, ne retirez surtout pas la plaque de ce véhicule, sinon vous perdrez la plaque à tout jamais. C'est un conseil d'avis. Et bien voilà, vous savez comment récupérer cette Penumbra FF pour quasiment rien, 30 000 dollars, franchement c'est pas grand chose. En plus, avec une plaque rare, ne retirez pas la plaque, hein, sinon vous la perdez simplement. Que dire de plus? Ça fait plaisir quand même, hein. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le partage pour faire connaître la chaîne et surtout ces informations. Le like, qui fait plaisir, qui soutient la chaîne. Et puis on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse, ciao tout le monde, et puis portez-vous bien.